proxy, c'est une mesure mise en place par la région de Bruxelles-Capitale afin de mobiliser l'épargne des particuliers pour financer une activité bruxelloise d'indépendant ou de PME. Pour toutes les parties, donc tant l'emprunteur que le prêteur. Premièrement, pour l'emprunteur, ce qui est intéressant, c'est que le taux est de maximum 1,75% par an, ce qui correspond quasiment à des taux bancaires. Et le deuxième avantage pour lui, c'est que ce sont des prêts sans garantie. Donc ça veut dire que ce sont des prêts qui sont considérés comme des prêts subordonnés et qui viennent renforcer le bilan de l'entreprise. Pour le particulier, c'est également intéressant parce qu'il bénéficie d'un avantage fiscal annuel, donc un crédit d'impôt de 4% durant les 4 premières années et de 2,5% durant les années suivantes. Il est également couvert en cas de faillite, car 30% de son solde restant dû sera indemnisé si l'entreprise tombe en faillite. Il doit être un indépendant ou une PME qui doit avoir une unité d'établissement en région de Bruxelles-Capitale, donc pas nécessairement son siège social, et il peut emprunter maximum 300 000 euros par an. Une personne physique qui est localisée en région de Bruxelles-Capitale et qui est également localisée pour l'impôt des personnes physiques. Alors ça ne peut pas être le gérant, ni l'administrateur, ni l'actionnaire de l'entreprise et également pas son conjoint ou sa conjointe. Et enfin, ça ne peut pas être un employé de l'entreprise. Chaque prêteur peut prêter 75 000 euros par an avec un maximum de 200 000 euros d'encours. Vous n'avez pas directement accès à une communauté d'investisseurs, vous pouvez passer par des plateformes de financement participatif qui vous permettent justement de vous aider à structurer votre prêt proxy et vous ouvrir les portes d'une communauté d'investisseurs bruxellois. C'est très simple, tout se passe via Internet, comme beaucoup de choses de nos jours. Donc vous allez sur le site de Finance and Invest Brussels et il y a un onglet dédié au prêt proxy. Vous pouvez enregistrer vos prêts et faire votre demande. L'enregistrement et la tenue du registre de ces prêts proxy a été confié au Fonds bruxellois de garantie qui est géré de manière opérationnelle par Finance and Invest Brussels. Si les conditions d'éligibilité tant de l'emprunteur que du prêteur sont rencontrées, la demande de prêt proxy sera validée.